présentement à Rivers Loup chez Octane Performance, accompagné de Jesse Turcotte. Yes. Écoute, Jesse, aujourd'hui, je suis ici parce qu'on a passé une commande pour les pièces pour mon projet 455. En plein ça. Je vais regarder avec toi, c'est quoi les pièces que tu as commandées? Et voici ta commande. Fait qu'on a été avec quelque chose pour embellir le dessous de ton hood. Ouais, je t'avais demandé ça. Un peu de chrome. Je veux que ça soit beau quand on va ouvrir le capot. Je pense que tu vas être satisfait avec ça. Une entrée d'air chromée Edelbrook. OK. Avec les kits de couvert de valve. Et ensuite, un Waterneck. Puis côté performance, on y était avec d'autres choses. Un kit d'aiders Flowtech de 3 pouces de sortie. Pour le kit d'allumage, moi, Simon, on a amélioré avec un kit de fil à bougie Tyler 8 mm. Oui. Ensuite, on y était avec un coil externe MSD. Pour justement que l'ignition ou l'allumage soit plus puissant. En plein ça. Parfait. Ensuite, on a été avec un rave limiteur qui va être parfait pour toi pour limiter ton RPM. Mon régime moteur. Si je vous l'ai pas dit, mais la dernière fois, j'ai brisé le moteur dans la voiture, justement, que je fais mon projet, le Firebird. C'est parce que le moteur a tourné un petit peu trop haut. Ouais, fait qu'avec ça, c'est une bonne protection. Ça, j'aime ça. Parfait, excellent. Fait qu'on termine avec un beau 4 distributeur MSD. OK. Yes. Donc, Jesse, si on résume ça, on a des pièces, oui, pour embellir le dessous du capot. En plein ça. Mais on a aussi des pièces pour augmenter la performance du moteur. En plein ça, on a grossi l'entrée d'air, on a grossi la sortie d'échappement et on a augmenté la performance de ton système d'allumage. Bien, parfait. Moi, j'ai hâte, justement, de les installer, ces pièces-là. Fait que je vais me sauver avec ma commande. Parfait, je vais t'aider. Puis on se tient au courant là-dessus. Yes. Merci beaucoup.